Wesh l'Hexagang, c'est Xader, ça va ou quoi l'équipe? Nouvelle vidéo en compagnie d'une nouvelle recrue. Une nouvelle recrue. Présentez-vous monsieur. Nouvelle recrue, alors bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, je me prénomme, hein, je m'appelle CRO, et voilà. Vous faites quoi dans la vie? Alors actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Ok, ok, mais encore. Je fais de la musique. Mais encore. Mais encore. Un petit extrait? Un petit extrait. Y'a trop de fissures dans mon cœur. Y'a trop de fils de pute qui m'écœurent. Cette pétasse ça voulait me faire. Je crois que je vais lui arracher le cœur. Y'a que pour ma mère que je pleure. Y'a que de moi-même que j'ai peur. Y'a que pour ma mère que je pleure. Y'a que de moi-même que j'ai peur. Sous Pineapple Ace, la marijuana, j'ai bien qu'elle veut baiser. Je pense que vous savez pourquoi vous êtes venu monsieur. Alors je suis venu pour me remplir le ventre avec des bonnes choses. On va tester quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va tester plusieurs choses. Premièrement, on va tester la pizza de la maman. Deuxièmement, on va tester les poulets de Fast Good Cuisine. Voilà. Troisièmement, on va manger les burgers d'Ibra TV, le Black and White, hein, vous le connaissez tous je pense. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On va commencer par la pizza, elle est en train de chauffer. On leur montre la boîte. Attends, pour le coup, le design... Moi c'est terrible, ce que je kiffe, c'est les étapes de préparation, comment elles sont faites. Je sais pas si on voit bien. On voit bien. C'est vraiment super bien fait. Moi j'ai hâte de goûter ça gros. La pizza on l'a payé combien? 3€, 2€. Je suis quelqu'un, j'aime bien les petites pizzas surgelées, t'as pas le temps et tout, t'es chez toi. Il est italien. Ristorante, tu prends, c'est vite fait, tu la mets dans le four, ça passe bien. Là je suis vraiment curieux, franchement c'est un putain de concept. Pizza 4 fromages et pizza puletto. Puletto, poulet quoi. 6 fromages. 6 fromaggio. 6 fromaggio, minchia. Pardon, excusez-moi. On va aller chercher les pizzas. Go. Et on arrive tout de suite. Hein. C'est que son fromage, ça c'est laquelle? Ça coupe pas, là, c'est... On m'a dit que vous étiez coupeur de père en fils. Écoutez, chez nous, c'est tu vois. Elle a l'air incroyable. Putain, il m'appelle maintenant celui-là. C'est quoi cette sonnerie? Vous connaissez pas? Elle a l'air succulente. Voilà, à quoi ça ressemble en tout cas. Mister V, celle-là c'est pour toi. Elle est pour toi celle-là, franchement. Père, on est parti jusqu'à Lille et tout, ça fait, tu sais quoi hein. On habite à Bruxelles, on est parti jusqu'en France pour la chercher celle-là. Voilà. Elle est bonne. Mais c'est des pizzas surgelées aussi, c'est surgelé. C'est surgelé. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Si je l'avais pas, salut. Salut, hein. Eh ben putain. Elle est très bonne. Eh ben, vraiment. Je suis choqué. J'aime bien. Énervé. La pâte est bonne. Pour une pizza surgelée, j'aime beaucoup. Je suis agréablement surpris. Parce que j'ai eu des retours un petit peu. Ouais, mais tu vois, c'est juste. Pour une pizza surgelée, c'est super bon. Moi, je pense qu'on n'a pas fait l'aller-retour Bruxelles-Lille pour non. Incroyable. Une pizza surgelée, je lui mets vraiment 10, gros. Moi, je kiffe. Moi, j'adore. Bon, passons à la deuxième. Pizza pouletto. Attends, t'es quand même italien, tu pensais que t'allais pas couper? Elle a l'air incre. Vous avez fait ça toute votre vie. Vous êtes putain de jeu. C'est mon père qui a fait la pizza. Ça, c'est béchamel en fait. L'autre, c'était sauce tomate. Enfin, c'est sauce blanche quoi. C'est... Ils appellent ça comment? Sauce tomate, sauce blanche, frère. Sauce verte, il y a sauce verte, sauce crème fraîche, champignons. Ça m'aurait andalouse aussi, non? Bon, allez, les frérots. Je le laisse d'abord goûter. Hein. En fait, je préfère l'autre. Elle est bonne aussi, parce qu'en fait, les deux sont bonnes. Là, il y a du pesto dedans, c'est ça la sauce verte, c'est du pesto. Mais c'est vrai que c'est vraiment fromage. Pareil, c'est bon, c'est très bon. Mais déjà, les deux pizzas, elles sont validées. Ouais, bien sûr. Je suis pas un amateur de surgelé. Peu que j'en ai goûté, ben voilà quoi. La 6 fromage, franchement, je la reprendrais facile. Facile. S'il y aurait ça ici à Bruxelles, tu le mets dans le frigo vite fait. Quand t'as envie d'une petite pizza chez toi à la maison, devant FIFA, elle passerait, mais. Trop bien. Facile. Sur 10, tu mets combien? Franchement, hein, je mets un bon 8. Même pour la 6 fromage. Et pour celle-là. Poulet, ouais, tu mets combien poulet? Un 7. Ouais. Je mets un petit 7. Un bon 7. 7, c'est très très bien. Moi, ouais, 6,5, 7. Si j'avais commencé par le poulet, j'aurais mis 8. Franchement, surpris. Si t'as envie, si tu passes par là, à quand le feat, frère? Bah quand? Sérieux ou quoi? On t'attend depuis des années, frère. Ces vidéos, toutes les nuits, je fais caca. On était là, nous. On était là, nous. Le premier, c'était nous. Premier abonné. 1, 2, c'était nous. C'était nous. Ça, c'était qui? C'était nous. Ok. En tout cas, franchement, très belle découverte, terrible. Je suis honnête, moi, je suis 100% franc. Ça veut dire que si ça aurait été dégueulasse, je t'aurais dit clairement c'est dégueulasse. Ouais. N'achète jamais ça ta vie. Je t'aurais dit les termes. J'ai énormément apprécié. Et quand c'est bon, faut le dire aussi. Très très bon. Là, parce qu'on a d'autres trucs à faire aussi, encore à les manger. Ouais, sinon, on aurait fini. Sinon, j'aurais fini ça, mais. Très belle transition. On va passer au plat numéro 2. La famille, on est venu goûter Pepe Chicken. On va goûter sur place. Ça a l'air trop bon. J'ai hâte, ça a l'air pas mal. Et voilà, on espère que. Bruxelles vie. Charles, t'as fait du bon boulot, quoi. Si vous venez de Bruxelles, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, représente. Ah, c'est vrai, 10 septembre, tu venais d'Anderlecht. C'est beau, représentez. Bon, on va s'asseoir et c'est parti. Faut que j'aille à la salle, ça va plus. Moi aussi, il faut que j'aille à la salle, ça va plaire. Est-ce que ça te donne envie, toi? Ça me donne envie. Après, voilà, j'étais pas prêt à voir un truc de donuts, tu vois. Eux, c'est spécial livraison de base. Le petit logo, là, il passe trop bien. Ouais, le logo, il est trop beau. Énervé. Incroyable.
Le plateau est arrivé vite et ça, c'est un bon point. Ça, c'est un très bon point. Franchement, on a commandé il y a même pas 5 minutes. Regarde la boîte, il y a des logos et tout. I love tenders. I love pepper style. Wings. Il y a surtout différentes sauces et ça, Lou, il nous a fait goûter toutes les sauces en vrai. Il nous a donné plein de sauces, ça régale. Il nous a donné plein de sauces, on va tous les goûter. Facile d'ouverture déjà. Eh ben, l'aspect est incroyable. Mention spéciale aux mouchoirs qui ont même le logo Pepe Chicken. Allez, stylé, gros. Je kiffe. Je propose de goûter d'abord sans sauce, tu vois, juste pour comme ça. On sent qu'il est bien crunchy. Hein. Il est bien crunchy, on va goûter ça. C'est parti, salut. Bien piquant. C'est bon. Très bon. Pas mal. Le poulet nature, le wings, comme ça. J'aime bien le piquant. J'aime bien les épices. Ça pique. Pas trop piquant. Non, c'est quand même piquant. Moi, j'aime bien le piquant de piquant. Base. Ici, je vais tenter un peu acide apparemment. Une belle couche. Je veux quand même bien goûter la sauce. Elle déchire. Mayonnaise, mais bien revisitée. Hein. Ah, elle est bonne. Très, très bonne. On vous a pas dit, mais en fait, on a pris un mélange de wings et de tenders. Tu sais que les tenders, ils sont big. Hein. T'es pas prêt, gros. Moi, je suis curieux de goûter la pépé sauce. Sur 10, combien? Ouais, un bon 8. Hein. Et la sauce mayonnaise, la sauce 8, pareil. Petit, franchement, ouais. Tu vas goûter un tenders, moi, je repars sur un wings, mais avec différentes sauces. Donc là, je vais tester la pépé hot sauce. La pépé hot sauce. Voilà, c'est la sauce piquante, j'avais vraiment envie de la tester. C'est une sauce barbecue piquante, clairement. Moi, je suis pas très sauce barbecue, honnêtement. Mais non, elle crème et barbecue. C'est parti. C'est parti. Moi, j'ai plus soif qu'autre chose. Ouais, j'ai trop soif. C'est parti. Crème et barbecue, c'est la même, mais en plus crémeux et en moins piquant. En piquant ouais. Get le tender. Ouais, il a l'air bon. Hein. C'est une vraie pièce de tender, ça. Il a l'air très bon. Oh là 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 là. La sauce verte, bon appétit. Salut, hein. Moi je vais goûter le tenders. Salut, ça veut dire santé, tu sais ça. Et puis là, tantôt. D'où celle-là ? Intrigante la sauce verte. Trop trop spéciale. Je sais pas comment la qualifier. Je sais pas. Elle a le goût de la plante déjà. C'est très herbe. Ça me rappelle très la saison, l'été, le jardin, les tropiques. Je sais pas comment la qualifier, je vous dis honnêtement. Mais de toutes les sauces, ma préférée c'est la mayo. Pépé original. Et la sauce hot piquante. Mais j'aurais plus aimé une sauce sans ce goût de barbecue en fait. Vu qu'on l'avait déjà ici, j'aurais préféré au niveau du piquant la même chose. Je l'ai pas goûté. Mais au niveau du goût, un truc allez, différent. Personnellement, si je devrais commander, c'est la sauce pépé originale avec le poulet. Parce que bon, les burgers, on va en manger après, c'est pour ça qu'on en a pas pris. En tout cas, c'est très bon, je te jure. Je pense qu'elle a révolutionné le poulet. Carrément. Parce que, mais gros, on compare ça à KFC maintenant. Je préfère ça à KFC. Voilà, je suis désolé. J'ai jamais été fan de KFC, je te dis la vérité. C'est pour ça que je te dis qu'elle a révolutionné. T'as déjà vu des tenders big comme ça? Non, moi j'ai jamais vu. Bien assaisonné. Tiens, là, il est gros. Bonne chapelure. C'est très bon. Sur 10, le poulet. En général, l'ensemble. 8. Le pépé chicken. 8. Moi aussi. 8,5 même. Je dirais 8,5. 8. Moi, 8. Est-ce que ça serait pas l'heure de passer à Black and White? Parce que c'est le moment, les gars, on est parti. Hein. Let's go. On a réussi la bouffe. Eh. J'espère qu'on nous entend bien. On est venu goûter ce smash parce que. Smash burger. Je suis fan de ces trucs, moi, les smash et tout. Brat TV, est-ce que Black and White ou Black Angus, là, je pose bleu, vaut toujours sa renommée? Ouais. Nous le saurons tout de suite. En les gants, déjà, c'est compliqué à démêler. Hein, je suis pas content. Pas facile. Franchement, je suis pas content des gants. Alors, ouais, même moi, je pense que je vais l'enlever. C'est terminé. Vrai. Les gants, 0 sur 10. Moi, je vais commencer par le burger. Moi, je veux goûter ce maillot là, la Matrix. Pour le smash, ils ont pas mis le pain noir. C'est un bon point. Je trouve que le pain noir, il se frit trop. Et bon appétit, toi, je vais essayer aussi. Je pense que je me serais passé de l'oignon. Je suis pas fan de la sauce qu'il y a dedans. C'est sucré comme ça. Ouais. J'aurais ni mis cette sauce ni les oignons. C'est vrai. Mais le goût de la viande et le fromage, terrible. Le pain, il passe bien. C'est bien chaud. C'est vrai que moi c'est pareil. Mais non, ça pourrait encore passer. C'est pas ce qui me dérange le plus, moi c'est la sauce. Moi ça me dérange c'est quand même. C'est ce sucré quand même. C'est vrai que c'est sucré, je vois pas pourquoi c'est là en fait. Ils auraient dû mettre une sauce genre Giant, tu vois. Bien sûr. Sauce Giant de chez Quick. Un peu déçu. Moi qui. Ça reste bon. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas moi de. Vas-y, c'est dégueulasse. Mais il faut au minimum un top 3 et voilà. Il a obligé un dernier en fait. Sur 10, moi je mets 5. 5,5. Moi je mets 5. J'aurais mis 6, mais je mets 5 pour les gants. J'ai pas réussi à mettre. On se retrouve pour l'outro. Yo les gars, c'est Xador du montage, on a oublié de faire l'outro. Allez vous abonner à mon pote, sa chaîne est dans la description. Ses sons sont incroyables, il balance des clips, franchement allez le soutenir au max. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé le concept. Ciao tout le monde, peace. J't'ai mis la raclée, pour le reste vous n'êtes pas prêts. J't'ai mis la raclée, coudra comme Mbappé.